À tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent « Faits divers », une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir « Le monstre vert », une histoire de Jean Marcillac, d'après la nouvelle de Louis Roubaud, et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Les phares d'une automobile trouent la nuit et gravissent une route de montagne. Dans cette voiture, deux hommes et une femme. Au volant, c'est Michel, célibataire, riche, poète et ceinture noire de judo. À côté de lui sont assis Hélène, docteur en médecine, et son fiancé Bernard Provin, industriel. Tous trois habitent Grenoble et se dirigent vers la Côte d'Azur où ils vont passer les fêtes de Noël. La voiture fraye lentement son passage à travers le brouillard et Bernard s'étonne de l'itinéraire suivi par son ami. Michel, tu t'es trompé, tu as quitté la route nationale. Oui, je sais. Et pourquoi ? Je voudrais vous montrer la propriété que je vais acheter. Oh, écoute, tu aurais pu nous y conduire un autre jour. Non, à quelle heure va-t-on dîner ? Et puis on ne verra rien du tout. Eh ben, vous visiterez l'intérieur. Moi, je trouve qu'une nuit de décembre avec un brouillard à couper au couteau, c'est le climat idéal pour que vous fassiez connaissance avec ce nid de chouette. Charmante perspective. C'est un château féodal, j'espère, avec mâchicoulis et pont-levis. Non, désolé, ma pauvre Hélène, mais vous ne trouverez qu'un manoir délabré au bord d'un étang. Ah, dommage. Rassurez-vous, vous aurez quand même droit à deux tourelles. Avec de gros rats et des chauves-souris. Ah bon, et un revenant qui secoue ses chaînes sur le coup de minuit ? Non, j'ai demandé à mon agent immobilier, pas qu'il n'y en a pas. Ah, bah tant pis. Et puis naturellement, ce qui t'a plu dans cette tourne, c'est la solitude, les plafonds voûtés et l'odeur de moisi. Exactement. Bah au moins, il pourra faire de la culture des champignons. Non, mais de la musique, un peu d'aquarelle et quelques poèmes. Ah. Et comment s'appelle cet endroit rêvé et inaccessible ? Mais pas du tout inaccessible, la preuve c'est que nous arrivons. Donc je te demande le nom. Le château de Malcroix. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Le château de Malcroix. Ben oui, qu'est-ce qui te prend ? Michel, n'achète pas cette propriété. Pourquoi tu la connais ? Je te dis de pas l'acheter, ça devrait suffire. Enfin, écoute, sois pas idiot, donne-moi une raison. Attention, il y a de l'eau ! Oh, pardon. C'est les temps, je ne voyais pas. Eh ben, mon vieux, on l'a échappé belle. Heureusement, Bernard, que tu as de bons yeux. Oui, admettons. Qu'est-ce que tu veux dire ? On est arrivé, descendons. Bernard, dis à Michel pourquoi il ne faut pas qu'il achète ce château. Oui, mais entrons d'abord. Bien, 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 venez. L'entrée est par ici. C'est encore habité ? Oh, il n'y a plus qu'un vieux domestique un peu fou. Je voudrais qu'il s'en aille quand j'aurai pris possession du domaine, mais il n'a pas l'air de vouloir déloger. Il faut dire qu'il colle très bien avec l'ensemble. Ton sur ton ? Oui, cheveux gris sur fond de poussière. Ah bah. Bernard, tu veux me prêter ton briquet, que j'essaie de trouver l'anneau de la sonnette ? Inutile, je l'ai déjà en main. Oh, bah dis donc, tu as des yeux de chat. Pas du tout, non. Je sonne. Naturellement. Y a personne. Si, si, mais il faut le temps. Ah, ah, voilà de la lumière. Qui est là ? Michel Gauthier. Bonsoir.
Je voudrais faire quitter le château à mes amis. Mais monsieur, il est bien tard. Oh, vous n'avez que ça à faire. Entrez, Hélène. Mais quoi, Bernard? Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde si Léonard n'a pas trop vieilli. Bonsoir. Vous ne me reconnaissez pas? Oh, monsieur. Comment va monsieur? Mieux, Léonard. Beaucoup mieux qu'autrefois. Comment vous? Vous connaissez? Oui, nous avons vécu ensemble des heures assez curieuses, n'est-ce pas, Léonard? Oui, monsieur. En quelles circonstances? Nous pourrions peut-être entrer dans le salon, nous serions mieux pour causer. Première porte à droite. Comment, tu es déjà venu ici? Oui. Entre. Entre, mon petit. Et surtout, ne manque pas d'admirer les 6 portraits des seigneurs de Malcroix. Ils sont magnifiques. Tiens, entre. Ça, Bernard, vas-tu nous expliquer? Très volontiers, mon vieux. Assieds-toi. Oui. Tiens, Hélène, cette bergère te tend les bras. Merci. Léonard, ça ne vous ennuierait pas de nous laisser seuls? Mais, monsieur... Ne vous inquiétez pas, Léonard. Nous ne prendrons aucun bibelot. C'est comme monsieur voudra. Fermez la porte. Bien, monsieur. Eh ben, il a une sale tête. Oui, c'est un assez curieux personnage. Si vous saviez ce que ça me fait drôle de me retrouver ici. Rien n'a changé. Voyez-vous, la première fois que je suis venu dans cette maison, c'était par une nuit d'hiver comme celle-ci. J'avais sonné, comme ce soir. Qui est là? Mais enfin, messieurs. Bonsoir, je voudrais parler au maître de maison. Mais il n'est pas là. Et entrez, vous autres. Mais enfin, messieurs, je vous interdis. Je vous le contre-interdis. Léonard, je suis du fils Bacan. Qui sont ces gens? Je vous ai défendu de laisser entrer qui que ce soit. Bonsoir, monsieur. Mais qui êtes-vous? Vous nous permettrez de ne pas vous donner nos noms véritables. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas des bandits. Ah, je ne puis m'accommoder d'une telle présentation. Qui êtes-vous? Mon Dieu, monsieur, nous cherchons dans la mesure de nos moyens à faire échec aux bons Allemands et aux mauvais Français. Je pense être assez clair. Autrement dit, vous êtes des résistants, hein, des maquisards. Si ces noms vous agréent, nous le sommes. Et nous venons vous demander asile. On nous poursuit depuis 24 heures et l'un de nous a reçu 2 balles dans la jambe. Ah, mais vous allez m'attirer des ennuis! Les refuges ne manquent pourtant pas dans la région. Pourquoi êtes-vous venu justement chez moi? Désolé de troubler votre quiétude, mais nous n'avons pas eu le temps de choisir. Excusez-moi, je suis un vieil homme et je perds de plus en plus contact avec la vie. Et nous sommes pressés de dormir, monsieur. Vous pouvez coucher combien de personnes? Je ne sais pas, Léonard. Avec le vieux lit du grenier, monsieur le comte, on peut aller jusqu'à 8. Et nous sommes 9. À moins que monsieur le comte ne donne aussi la chambre de madame la comtesse. Vous savez bien qu'il n'en est pas question. Personne n'entrera dans cette chambre. Vraiment? Mais puis-je en savoir la raison? Ça ne vous regarde pas. Je vous préviens que si vous ne voulez pas la donner de bon gré... Ma femme y est morte, monsieur. Cette raison vous semble-t-elle suffisante? Je comprends qu'en temps ordinaire, vous désiriez laisser intact certains souvenirs. Mais vous ne semblez pas vous rendre compte que nous vivons une période exceptionnelle. Vous n'avez pas le droit, monsieur, de refuser un lit à l'un de ces hommes qui sera peut-être tué demain. Qui sera peut-être tué demain? Et justement, monsieur, c'est pour cela que je vous refuse cette chambre. Et que voulez-vous dire? Je vous en supplie, n'insistez pas. Je tiens à ce que vous sachiez que la superstition n'a aucune prise sur nous. Il n'est pas question de superstition, monsieur. Et puisqu'il faut tout vous dire, ma femme est morte dans cette chambre d'une mort mystérieuse. Ah oui? On l'a assassinée. Et qui? Le spectre vert. Vous dites? Le spectre vert. Il est fou. Non, monsieur, non, je ne suis pas fou. Léonard vous dira que ce que j'affirme est la vérité. Oh, ben tiens, parle-le. Ils veulent qu'on leur foute la paix. Et celui qui couchera dans cette chambre risque de mourir de la même façon. Allez, dites, on a assez perdu de temps, hein. Moi, les histoires de fantômes, j'adore ça, mais le matin. Le soir, j'ai trop sommeil. Allez, Léonard, donnez-moi la clé de cette chambre. Je vais y coucher, moi. Oh, soyez tranquille, monsieur le comte. Je n'ai pas l'habitude de cirer mes godasses sur le bord des rideaux, moi. Quant aux souvenirs de famille, pour moi, c'est sacré. Mais, Léonard, je vous défends de donner cette clé. Eh bien, on enfoncera la porte. Allez, les gars. En fait, on n'eut pas à l'enfoncer, car, à son corps défendant, Léonard dut donner la clé de cette chambre qui se trouvait au premier étage.
Elle sentait abominablement le renfermer. On voulut ouvrir la fenêtre et les volets. Impossible. Les gonds étaient littéralement soudés par la rouille. En se tordant de rire, notre camarade Gerbeau se coucha, après avoir bouclé sa porte, pour éviter d'être dérangé par le spectre vert. Mais le lendemain matin, on s'étonna de ne pas le voir descendre. On frappa à sa porte. Gerbeau ! Eh ben quoi, Gerbeau, il est 8h ! Oh, qu'est-ce qu'il en est grave ! Allez, on le sort du puits. Ouais. Hein ? Il a tourné la clé à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hé, le spectre vert t'a boulotté ! Ne riez pas, messieurs, tout est à craindre. Écoutez, messieurs, on dirait des gémissements. Mais enfoncez la porte ! Allez ! Ah, monsieur, je vous l'avais bien dit. Monsieur le comte avait raison. Gerbeau ! Gerbeau, qu'est-ce que tu as ? Chef, il y a du sang partout. Regardez sa chemise. Elle est en lambeaux. Il respire encore. Gerbeau, mon vieux. C'est moi, Bernard, ton copain. Chut, je crois qu'il va parler. Soutiens-le. Le monstre. Le monstre vert. Le monstre, c'est lui qui m'a assassiné. Le monstre vert ? Mais voyons, Gerbeau, c'est pas possible. Regardez-le, chef. Regardez-le. Je crois que c'est la fin. Il est mort. Voilà, messieurs, je vous l'avais prédit. Mais voyons, c'est insensé. Il faut prévenir la police, tout de suite. Vous auriez tort. Vous vivez ici dans la clandestinité, ne l'oubliez pas. Vous n'avez aucun intérêt à attirer sur vous l'attention de qui que ce soit. Je crains que vous ne parliez pour vous-même. Si je comprends bien, vous ne tenez pas à ce que les autorités viennent voir de près ce qui se passe chez vous. Mais que voulez-vous dire ? Je vous rends responsable de l'assassinat de cet homme. Vous vous égarez. Un chef, monsieur, garde son sang-froid. Dès notre arrivée, vous avez affiché une hostilité qui maintenant justifie tous les soupçons. Mais croyez-vous que Léonard ou moi-même, nous soyons déguisés en spectre pour assassiner cet homme ? Taillé en athlète comme il l'était, il aurait eu facilement raison de nous. Et la surprise ? Et l'arme qui a été employée ? À défaut de policier, faites vous-même l'enquête et concluez, si vous pouvez. L'assassin n'a pas pu pénétrer par la porte, elle était fermée de l'intérieur. Et la fenêtre ? Je viens de vérifier, elle n'a pas bougé depuis hier soir. Impossible de louer. Alors, la cheminée ? Trop étroite, chef. Même un corps d'enfant ne pourrait pas s'y glisser. Sondez-moi les murs, le plafond et le plancher. L'assassin est peut-être entré par un escalier dérobé. Vous perdez votre temps, messieurs. Toutes ces recherches, je les ai effectuées après la mort de ma femme. Faites ce que je vous ai dit ! Après, vous visiterez le château de Fontencomble. Et au moindre indice, appelez-moi. Mais enfin, chef, Gerbeau a lui-même parlé du monstre vert. Tu crois au revenant, toi ? Eh ben moi j'y crois. Je suis breton et chez moi on raconte des choses qui sont parfaitement arrivées. Tu deviens un fou, non ? En tout cas, je resterai pas une minute de plus ici. Et où iras-tu, imbécile ? Il a raison, chef. Moi aussi, je suis breton. Et à vrai dire, depuis des mois, nous vivions sur les nerfs. Et certains d'entre nous finissaient par ne plus savoir ce qui pouvait être vrai ou faux. Enfin, les esprits se calmèrent. Nous avions à faire face à d'autres dangers. Mais votre enquête, à quoi a-t-elle abouti ? À rien. Le mystère demeurait entier. Vous avez quitté le château ? Non. Non, c'était pour nous un abri excellent. Après avoir enterré dans le parc le cadavre de notre camarade, la vie s'organisa, malgré le malaise qui planait sur la maison. Mmh. Mais après la guerre, vous n'avez pas repris l'enquête ? Mais attends, je n'ai pas tout dit. 5 semaines plus tard, nous dûmes héberger une estafette du quartier général, qui devait repartir le lendemain. Faute de lit, je décidai de rouvrir la chambre mystérieuse. Et on la lui donna après avoir bien entendu examiné les lieux et organisé au rez-de-chaussée un service de garde qui avait pour consigne d'effectuer des rondes fréquentes et de guetter les moindres bruits. Or, vers 3h du matin, les hommes de faction entendirent des gémissements qui venaient du premier étage. Ils bondirent à la chambre mystérieuse, enfoncèrent la porte et trouvèrent l'estafette râlant, le visage labouré de griffes. Le sang coulait et ses souffrances semblaient atroces. Il mourut sans avoir pu prononcer un seul mot. Ça ? Et comme pour la première fois, il nous fut impossible de relever le moindre indice sur la façon dont s'était accompli ce nouveau crime. Fenêtre et porte closes, assassin et arme du crime volatilisées. Mais enfin, l'explication, vous avez bien fini par la trouver ? Non. Quoi ? Après la guerre, pendant que j'étais aux États-Unis, il y a eu, paraît-il, un semblant d'enquête qui n'a rien donné. Alors l'affaire a été classée.
Et depuis, le comte de Malcroix est mort. Me sera-t-il permis d'ajouter un mot à ce que vient de raconter monsieur? Quoi? Là. Vous écoutiez? Je voudrais dire que ce qui a abrégé les jours de monsieur le comte, c'est le souci qui le rongeait depuis le décès de madame la comtesse et la mort des deux maquisards. D'autant plus qu'après les deux derniers crimes, il a été soupçonné injustement. Et nous vous avons soupçonné aussi, Léonard, vous le savez très bien. Et aujourd'hui encore, rien ne me prouve que vous n'étiez pas dans le coup. Si cette idée plaît à monsieur... Mais qu'est-ce qui me prouve que tous les deux vous n'avez pas voulu vous débarrasser de nous par la terreur? La comtesse assassinée dans cette chambre, ce n'était peut-être qu'un mensonge inventé par votre maître, qui était pour le moins bizarre, reconnaissez-le. Monsieur le comte était un homme remarquable. Mais probablement fou allié. Monsieur regrettera ses paroles. Enfin, les victimes elles-mêmes ont parlé d'un spectre vert. Gerbeau, oui. Mais pas l'estafette. Il est mort sans avoir prononcé une parole. S'il l'avait pu, il aurait certainement mentionné le monstre vert, tout comme madame la comtesse quand elle a expiré. Allons donc. Mais enfin, Léonard, dites-moi. Après la mort de la comtesse, il a dû y avoir une enquête de police. Non, mademoiselle. Monsieur le comte était l'ami intime de quelqu'un haut placé. Il lui a demandé qu'aucun scandale ne soit fait autour du blason des Malcroix. Et le permis d'inhumer a été donné, tout simplement. Oui, mademoiselle. Mais avouez qu'il y a de quoi se tordre. Et depuis ces événements, quelqu'un a-t-il couché dans cette chambre? Monsieur pense bien que non. Cette propriété, décidément, me plaît de plus en plus. Mais tout de même, il me semble raisonnable de ne l'acheter qu'après en avoir eu le cœur net. C'est-à-dire? Je voudrais tenter l'expérience moi-même. Mais quelle expérience? Je vais passer la nuit enfermé dans cette fameuse chambre. Quoi? Alors, toi, tu es encore plus cinglé que tous les autres réunis. Moi, je ne crois que ce que je vois. Oui, mais ma parole ne te suffit pas. Et puisque toi-même, tu nies l'existence d'un spectre, il n'y a rien à craindre. Non, mais attention, je ne nie pas l'existence d'un assassin. Eh ben alors c'est l'occasion de mettre la main dessus. Crois-moi, Michel, il y a des aventures qu'il vaut mieux ne pas courir. Filons plus vite et jure-moi de ne plus jamais remettre les pieds dans ce coupe-gorge. Oh, pour une fois que je peux vivre quelque chose qui sort du banal, tu voudrais me priver de ce plaisir? Mais c'est pas une raison, parce que tu t'embêtes dans l'existence pour jouer avec la mort. En tout cas, je t'aurais prévenu. Avoue que la perspective de lutter contre un spectre, c'est assez excitant. Oh, la littérature, la poésie n'ont rien à faire ici. Mais vos paroles, on dirait un gosse. Mais les poètes sont des enfants, Bernard. Si ça l'amuse... Oui, oh, je sais que ce n'est pas toi qui essaieras de l'en dissuader. Ah, mais ça, je suis curieuse de nature. Et avant tout, tu es médecin, et ton rôle est d'empêcher les autres de mourir. Avant tout, je respecte le libre arbitre. Chut, mes enfants. S'il arrive quelque chose à Michel, je le soignerai. Mais c'est à se taper la tête contre les murs. Monsieur Gauthier devrait renoncer à son projet. Ah, parbleu. Vous aimeriez bien que je n'achète pas le château, hein? Vous menez ici une petite vie de rentier, mon Dieu. Plus longtemps ça durera. Que monsieur fasse son expérience, et s'il lui arrive malheur, Dieu et son âme. Mais enfin, Léonard, vous-même, quelle explication donnez-vous à ce mystère? Puisque c'est un mystère, mademoiselle. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Il y a une explication. Demain matin, nous la connaîtrons. Léonard, pouvez-vous nous faire à dîner? À dîner? Oui. Quoi, vous avez bien des œufs, du lait, du jambon, du café? Hélène, mon petit, partons d'ici et laissons-le à ses folies, veux-tu? Mais Bernard, nous sommes venus dans la voiture de Michel. Et puisqu'il veut absolument avoir la clé de l'énigme, il me semble utile de rester avec lui. Ne serait-ce que pour lui porter secours, n'est-ce pas? Exactement. Merci, Hélène. Oh, ben allons, vieux, ne fais pas cette tête-là, quoi. Je te parie, moi, qu'il ne se passera rien du tout. Et puis, si tu veux, je t'autorise à monter la garde toute la nuit à ma porte. Soit. C'est égal, à mon âge, je ne me croyais pas capable de céder à des caprices de gosse. Mais c'est ça l'amitié, mon vieux. Tenez, Léonard, voilà de l'argent. Préparez à dîner. Puisque monsieur y tient, je m'efforcerai de le traiter de mon mieux. Ha ha ha.
Avouez que les 12 coups de minuit, rien ne peut mieux convenir à une prise de contact avec la chambre d'un spectre. Ouvrez cette porte, Léonard. L'électricité fonctionne, j'espère. Oh oui, monsieur. Oh, mais voilà une chambre superbe. Qu'est-ce que tu fais, Bernard ? Je vais essayer d'ouvrir la fenêtre pour voir. Oh, monsieur ne pourra pas. Oui, en effet. De ce côté-ci, impossible d'entrer ni de sortir. Mais dites-moi, Léonard, la cheminée, elle est bouchée ? Oui, mademoiselle. Ah bon. Peu de temps avant sa mort, monsieur le comte l'a fait cimenter. Alors ce n'est pas par là non plus que l'assassin pourra pénétrer. Mais comme nous allons demeurer en faction devant la porte, j'ai tout lieu de croire que cette fois-ci tout se passera bien. Mais pour plus de sûreté, je regarde sous le lit et dans les armoires. Aucun placard. Ah, derrière les tentures. Ah, je ne vois rien d'anormal. Les murs sonnent le plein. Et il n'y a aucune moulure pouvant dissimuler un trucage quelconque. Eh bien, mes amis, il ne vous reste plus qu'à me souhaiter une bonne nuit. Ouais, tu vas pas dormir. Oh, hélas, pas question. Le café que nous avons bu après le dîner était excellent et très fort. Tu vois, j'ai monté moi-même la cafetière avec une tasse. Et vous le boirez froid ? C'est comme ça que je le préfère. Et sans sucre. Bravo. Ah, il serait peut-être poli que j'enlève mes chaussures avant de m'étendre. Non, ne te déshabille pas. Mais bien sûr que non. Voilà, maintenant, laissez-moi seul. Et avant de sortir, n'oubliez pas d'éteindre. Non. Et surtout, ne venez que lorsque je vous appellerai. N'intervenez pas avant, quoi que vous entendiez. Oui, permets. En cas d'attaque, tu ne sais pas plus que nous les moyens employés par l'agresseur. Il serait imprudent d'attendre jusqu'au dernier moment. Mais si, je veux connaître jusqu'au bout la façon dont les drames précédents se sont déroulés. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai mon revolver et je ne pousserai pas la curiosité jusqu'à mettre ma vie en danger. D'ailleurs, la porte n'étant pas fermée à clé, sitôt que j'appelle, vous venez. D'accord. Bon. Alors, Michel, on vous laisse. À demain matin, mes enfants. Bon, à demain. Il n'y a pas de verrou intérieur. Parfait. Je mets la clé de la porte dans ma poche, comme ça je suis sûr de pouvoir entrer quand je voudrais. Seulement si j'appelle au secours. Tu m'as promis, Bernard, pas avant. Mais Michel, je n'ai qu'une parole. Bon. Allez, maintenant, disparaissez. À demain. Hélène, tu vas aller te reposer en bas près du feu. Ouh, ben ça, jamais de la vie, je reste avec toi. Non, je veux que tu dormes. Écoute, puisqu'il y a un canapé ici dans ce couloir, je vais m'étendre. J'ai monté une couverture. Je serai parfaitement bien. Nous nous relairons toutes les deux heures. Non, mais reste si tu veux, mais je te prie de dormir tranquillement jusqu'à demain matin. Je veillerai avec Léonard. Monsieur m'excusera, mais je suis vieux et je ne tiens pas à sacrifier mon sommeil aux fantaisies de ces messieurs. Ce que vous me dites là, Léonard, ne plaide guère en votre faveur. Plaît-il ? En cas d'attaque, j'aurais été heureux de vous avoir auprès de moi. Pour que monsieur soit certain de mon innocence. Mais oui. Je regrette, monsieur, mais je suis très fatigué. Et monsieur devrait ne pas oublier ceci. Un homme n'est coupable qu'à condition qu'on puisse le prouver. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Et en plus, j'ai l'impression qu'il se fout de nous. Maintenant, étant toi, et s'il arrive quelque chose, je te réveillerai. Vous, je ne dormirai certainement pas. Moi aussi, j'ai pris du café. Quelle heure est-il ? Minuit 20. Hélène. Hein ? Quoi ? Viens vite. Il se passe quelque chose ? Écoute, on remue dans la chambre. Ben, il s'est peut-être levé pour résister à l'engourdissement. Non, regarde. Sous la porte, il n'y a pas de lumière. Mais il est fou, c'est imprudent de marcher dans l'obscurité. Tu as entendu ? Il a dû heurter un meuble. Oh, mais écoute, on bouge de plus en plus. Oh mon Dieu, mais ils se battent ! Oh, mais écoute, c'est une bataille en règle ! Pourquoi ne tire-t-il pas, l'imbécile ? Pourquoi ne tire-t-il pas ? Oh, mais ouvre, Bernard, je t'en supplie, ouvre ! Non ! Non, je lui ai promis, non.
Il n'a pas encore appelé au secours. Oh, allons-y! Michel! La lumière, allume la lumière! Tire, mais tire donc! Mais sur qui, sur quoi, il n'y a personne? Michel, où es-tu? Oh, viens vite, il est tombé là derrière le lit. Michel! Michel! Oh, on s'est tombé là. Michel. Michel, mon vieux. Oh, Michel, mon vieux, répondez. Là. Le monstre vert. Le monstre vert. C'est un là. Fou. Là. Personne n'est entré par la porte, ça, je le jure. Mais regarde. Il a de l'écume verte au bord des lèvres. Du lait, vite. Léonard. Voilà, monsieur, voilà. J'ai entendu le bruit, je me suis levé tout de suite, je m'étais étendu tout habillé. Redescendez vite à la cuisine chercher du lait. Mais il n'y en a plus, madame. Alors faites tiédir de l'eau avec une poignée de sel, vite, vite. Et tout de suite, madame, j'y vais. Si Michel ne vomit pas, bref, dès là, il est perdu. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient de l'empoisonner. Quelle heure est-il, Léonard? Midi et demi, monsieur. J'espère que les médicaments que je suis allé chercher ce matin lui feront du bien. Heureusement que mademoiselle la doctoresse était là et qu'elle a pu faire une ordonnance. Oui. L'important, c'est qu'il ait vomi tout de suite. Il était temps. Et puis maintenant, dans le lit de monsieur, il est bien couché. Je lui ai renouvelé sa bouillotte. Merci. Je vais aux nouvelles. Alors, Hélène, comment va-t-il? Il est sauvé. Ce n'est plus qu'une question de jour. Mais enfin, qu'est-ce qui a pu se passer? Ce n'est pas une intoxication alimentaire, parce qu'au dîner, nous avons tous mangé la même chose. Bu le même vin et le même café. Ah oui. Et le café qu'il a bu dans la chambre, c'est lui-même qui l'a emporté. Il a pris la cafetière en même temps que sa propre tasse. Et en supposant que Léonard soit le criminel, ce n'est donc qu'au milieu de la nuit qu'il aurait pu empoisonner ce café. Allons donc, comment serait-il entré? Il y a une autre chose troublante. C'est le visage de Michel, labouré de griffes. Il a dû lutter terriblement. Et déchirer lui aussi le corps de son ennemi, car ses ongles étaient pleins de sang. Ce serait bien la preuve qu'il n'a pas eu affaire à un spectre. Ah. On a vu des ectoplasmes verser des gouttes de sang. Oh non, je t'en prie, Hélène, pas à moi. Les sciences psychiques ne sont peut-être pas uniquement de la fumisterie. Tiens, le voilà qui se réveille. Eh bien, mon vieux Michel. Où suis-je? Et ici, avec tes amis. Elle n'est pas peur, tout va bien. Le pouls est devenu normal. Alors, comment te sens-tu? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on aimerait le savoir. Attendez. Ah oui. Ah oui, ne vous fatiguez pas, reposez-vous encore un peu. Non, ça va mieux. Je me sens même très bien, ça va. Ça n'exagère en rien. Mais dites-moi, c'est épouvantable ce qui m'est arrivé. Je revois tout avec une précision. Vous allez faire remonter la fièvre. Non. J'étais resté dans le noir longtemps. J'ai lutté contre le sommeil. Au bout de 2 heures, je me suis mis à boire du café. Ça m'a fait du bien. Je me suis senti plus nerveux. Tout à coup, j'ai entendu craquer les meubles, mais j'avais pas peur. Une demi-heure plus tard, j'ai bu encore du café. C'est alors que les craquements se sont accentués, comme si quelqu'un marchait dans la chambre. Je me suis dressé, et j'ai cru distinguer au fond de la pièce, face à mon lit, une lueur. Une lueur, comme si le jour se levait. Malgré moi, j'ai baissé les paupières, je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai rouvert les yeux, la clarté était devenue verdâtre. Beaucoup plus intense. Et peu à peu, elle prenait la forme d'un être humain. Le cœur battant, j'allais enfin prendre contact avec cette chose fantastique. Rester immobile. Combien de temps ça durait? Je ne sais plus, je ne me souviens pas. Soudain, la lueur se déplaça. Et je vis nettement glisser près de moi un être de cauchemar. Au corps trapu et phosphorescent.
surmonté d'une tête horrible. Deux yeux glauques, bordés de paupières sanguinolentes. Pas de nez. Et à la place des lèvres, une énorme ventouse. Le monstre vert semblait vouloir me fasciner. Pour y échapper, je bondis et mon poing s'abattit sur la face ignoble. Il ne rencontrait qu'une sorte de liquide glaireux. Un deuxième coup de poing, pas plus d'effet. Et le monstre avançait toujours avec une bave verte coulant de la bouche. Alors, je lui décochai un formidable coup de pied au ventre qui ne trouva que du vide. Il se mit alors à m'envelopper littéralement de tout son corps. J'étais comme un oiseau dans de la glu, ne pouvant même plus détacher un bras pour me défendre. Et le monstre, sûr de mon impuissance, s'attaqua à mon visage et il me griffait furieusement. Enfin, sa tête s'approcha de la mienne pour y incruster son ignoble suçoir. L'épouvante me saisit et c'est à ce moment-là que j'ai crié. Et après, je me souviens plus de rien. Oh, reposez-vous, Michel. Essayez encore de dormir. Non. Derrière les rideaux, il y a du soleil, n'est-ce pas? Oui. Alors, ouvrez les rideaux. Voilà. Le soleil. C'est si bon, le soleil. Allez, viens, Bernard, laissons-le. Il lui faut du calme. Vous reviendrez vite. Et quand tu voudras. Hélène, où vas-tu? Dans la chambre mystérieuse. Maintenant qu'il est sauvé, il faut essayer de comprendre. Et je ne suis peut-être pas loin d'avoir compris. Ah, dis vite. Non, laisse-moi encore réfléchir et contrôler certains détails. Comme tu voudras. Entrons. Mais surtout ne touche rien. Et fais le moins de gestes possible. Pourquoi? Je te le dirai tout à l'heure. Examinons d'abord la tasse de café. Tu vois? Dans le fond, il y a un dépôt. C'est du café desséché. Tu trouves la couleur naturelle, toi? Non. Elle a un ton vert de gris. Eh bien, voilà le poison qui a failli tuer Michel. Quoi? Mais qui a pu l'y mettre? Léonard? Non, certainement pas. Michel lui-même? Vraiment aucune raison. Alors, le spectre? Non. Quand Michel a vu l'apparition, il s'est dressé pour l'attaquer. Avoue que ce n'était pas le moment de se mettre à boire du café. Non, pour moi, quand le monstre est apparu, il y avait déjà 2 heures que l'empoisonnement faisait son œuvre. Et en fait, c'est le poison qui a donné naissance au spectre vert. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce poison aurait agi sur le cerveau de Michel? Oui, c'est un phénomène très fréquent. Mais en somme, il aurait été victime d'une hallucination. Exactement. Mais voyons, il a lutté contre un ennemi. Il avait les ongles pleins de sang et son visage était labouré de griffes. Ah, ça, il y a longtemps que nous aurions dû y penser. Mais c'est lui-même qui s'est griffé le visage en se débattant contre cet être imaginaire. Ah, c'est plausible après tout. Ah. Mais cela n'explique pas qui a versé le poison. Tu permets? Qu'est-ce que tu fais? Je promène mon doigt sur le bord de la tasse. Eh bien, c'est bien ce que je pensais. Voyons le lit. Et Aïto? Maintenant, tu veux savoir qui a versé le poison? Je peux te le dire. Qui? Personne. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il n'y a pas eu crime, mais accident. Accident? Oui. Ce matin, j'ai recueilli sur les lèvres de Michel une mousse verdâtre. Dans l'impossibilité d'analyser cette mousse, j'ai dû pour le moment me baser sur les seules apparences. Or, sa teinte fait penser à la présence de sulfate de cuivre. D'où peut venir ce sulfate de cuivre? Je frotte mon doigt sur le bord de la soucoupe, regarde. Je récolte une poudre extrêmement fine et verdâtre. Je passe plusieurs fois ma main sur le dessus du lit. Je palpe les rideaux de velours. Et la même poussière est incrustée partout. Tiens, veux-tu frotter toi-même la paume de ta main sur le mur? Oui, voilà.
Tu vois? Oh. Maintenant, elle est pleine de verdigris. Tiens, regarde cette chambre attentivement. Tout est verdâtre. Le papier collé au mur semble avoir déteint, mais jusque sur les meubles. Oui. Et ce serait ça la clé du mystère? Oui. J'ai lu qu'autrefois, pour teinter en vert les papiers destinés à la décoration murale, on employait une couleur à base d'arséniate de cuivre, qui est un produit si dangereux qu'un ouvrier passant une ou deux heures dans une atmosphère saturée de ce poison risquait une intoxication extrêmement grave, sinon mortelle. Eh bien, ici, l'action nocive a été d'autant plus forte qu'il s'agit d'un papier collé il y a très longtemps, dans une chambre privée d'air et que personne n'entretient. Et je comprends tout maintenant. Chaque fois qu'une personne est venue coucher ici, les préparatifs ont occasionné un certain remue-ménage. Oui. Et il en a soulevé une poussière impalpable qui est restée plus ou moins suspendue dans l'air. Voilà. Et sans s'en rendre compte, l'occupant n'a cessé de la respirer jusqu'au déclenchement de la crise. Oh, Michel en a même avalé une bonne dose dans des tasses de café successives. Oh, bravo. Bravo, chère Hélène. Grâce à toi, voici la fin du cauchemar. Eh ben, si jamais tu renonçais à la médecine, tu pourrais réussir au Quai des Orfèvres. Hein. Oui. Docteur, notre malade serait heureux de vous voir ainsi que monsieur. Ben, nous y allons. Donnez-moi la main, Léonard. Vous êtes un brave homme. Et moi, je ne suis qu'un imbécile. Oh, voyons, monsieur. Et dites-vous bien, Léonard, que c'est un honneur que Dieu nous a fait de placer auprès de nous certaines femmes. Monstre vert, nouvelle radiophonique de Jean Marcillac d'après un conte de Louis Roubaud, avait pour interprète Jean-Claude Michel dans le rôle de Michel, Pierre Delbon dans le rôle de Bernard, Jacqueline Rivière dans le rôle d'Hélène, Henri Virlogeux dans le rôle de Léonard, le vieux domestique, et Jean Dide dans le rôle du comte, avec Jean Bollot, Gaëtan Jaure, Jean Mauvais. Bruitage Gabriel de Rivage. Prise de son Noël Barbet, opérateur Charles Marier.